C'était le bon scénario, d'ouvrir le score rapidement et aussi de mettre ce deuxième but assez rapidement en début de deuxième période. Après, les faits de match ont fait que le match, ça a été moins difficile. Mais on l'avait préparé très sérieusement. Évidemment que ce match avait une importance pour mes joueurs, voilà, de donner, envoyer une belle image et surtout de donner une victoire à nos supporters qui, depuis maintenant beaucoup de mois, ne peuvent pas assister au match. Voilà, rendre de la fierté à travers évidemment une victoire et une belle performance. Mais il y avait aussi, sur un plan plus personnel pour le groupe, de continuer la série. On savait que la victoire allait nous placer à la première place. Voilà, ça a permis aussi à des joueurs de rentrer plus tôt dans le match, d'avoir une gestion du temps de jeu pour les uns et les autres, donner du rythme à ceux qui vont s'exprimer dans les prochains jours, avec des matchs tous les 3-4 jours. Les entrants ont été performants, ils ont marqué. C'est bien aussi pour la confiance. Voilà, c'était une belle soirée. Moi, je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'on est, même si on avait de bonnes intentions, passé à côté, on sentait qu'on n'était pas dans nos disponibilités habituelles. Mais en même temps, voilà, c'était pas le bon soir de tomber face à un adversaire comme Lille qui est sûr de sa force, qui est une équipe qui est taillée pour jouer le haut de tableau, taillée pour l'Europe, et qui sort d'une saison avec la Ligue des Champions alors que nous on était en Ligue 2. Donc, il y avait d'ailleurs beaucoup de joueurs qui connaissaient la Ligue 2 l'an passé dans notre 11 de départ. Mais voilà, on a fait du mieux, mais c'était largement insuffisant.